Bonjour, c'est le calotropis pour Sera, ce que vous appelez à Moma. Je ne sais pas, il y a d'autres personnes qui l'appellent le Prince Thomas. C'est. Bonsoir, cher ami, je suis Aristide Dalokono, je suis ingénieur des procédés pharmaceutiques et chimiques. Je suis phytothérapeute, ethnobotaniste, chercheur en sciences naturelles. Je viens vous présenter aujourd'hui une plante magnifique. C'est le Calotropis procera. C'est une plante de la famille des Apocynacées, de l'ordre des gentianes, et c'est, comme vous le savez, le genre, c'est Calotropis. Et il y en a qui l'appellent en fond Pentoma. Il y en a qui l'appellent Pentoma en fond. C'est une plante que nous on appelle Amoma dans la zone de Porto-Novo, un peu partout. On l'appelle aussi le pommier de Sodome. En Wolof, on l'appelle le Faftan. Au Maroc, on l'appelle l'arbre de Satan. Alors, ce qu'il faut noter, là où il faut faire attention avec cette plante, c'est qu'il y a un peu de toxicité à ce niveau. Et c'est généralement le latex qui est contenu dans la feuille, c'est-à-dire le liquide blanc qui sort, la sève blanche qui sort lorsque vous tentez de déplucher les feuilles. Alors, lorsque la sève est toujours dedans, vous allez voir que quand vous allez faire une infusion de la feuille ou bien une décoction, vous allez vomir. C'est hermétique. C'est pourquoi les parents mettaient un peu de beurre de karité à la surface de la décoction. Maintenant, à part ça, il faut faire très attention pour que le latex ne rentre pas dans les yeux. Nous allons déboucher maintenant sur la composition. Il faut noter que cette plante contient beaucoup d'hétérosides qui sont cardiotoniques. C'est-à-dire que c'est des poisons du cœur. Donc il faut faire très attention en matière de dose quand vous voulez l'employer. Ça contient des cardénoloïdes, de la calotropine. Ça contient de la calotropagénine et ça contient des calotoxines, surtout ce qui est toxique dans la plante. Alors, les usages qu'on en fait, on peut utiliser le bois comme flotteur de pêche, on peut l'utiliser comme curetin, on peut utiliser le bois pour les ornementations, on peut utiliser la feuille pour cailler le lait parce que ça contient de la calotropine. On peut utiliser la feuille, la sève dont je vous parlais pour empoisonner les flèches lors des chasses. Ça permet d'empoisonner les flèches et lorsqu'on tire sur les animaux, la dose dépasse un seuil donné et vous pouvez facilement les prendre. Également, vous pouvez utiliser la sève pour soigner la gale, la plaie sur les animaux. Une dose donnée si c'est la plaie, bien sûr. Maintenant, lorsque vous pouvez aussi prendre le sel pour chasser les termites. En matière de vertu thérapeutique, maintenant, là où il faut vraiment vous concentrer, vous pouvez utiliser la racine comme purgatif. Lorsque vous vous sentez plein, rempli, vous utilisez la racine pour vous purger et vous sentir un peu léger. Maintenant, parce que c'est un purgatif diurétique, ça peut servir de détox un peu partout. Ça soigne les infections urogénitales. Lorsque vous avez une syphilis ou bien une infection, une blennorragie qui dure très longtemps, vous pouvez l'employer. Maintenant, l'écorce est tonique. Ça, c'est aussi aphrodisiaque. L'écorce est aussi aphrodisiaque et diaphorétique. Et ça soigne aussi la drépanocytose. La drépanocytose, il faut surtout l'associer avec le fagara. Le fagara, c'est on l'appelle chétine ici au Bénin. Il faut l'associer au chétine pour que ça soigne la drépanocytose. Les feuilles soignent la métrorragie. C'est-à-dire, si il y a une femme qui, à chaque fois, perd sa grossesse et ça part, elle peut l'utiliser pour soigner. Ça soigne la tuberculose et ça soigne, c'est un galactogogue. C'est-à-dire, si une femme accouche, il n'y a pas de lait maternel, on peut préparer et faire un bain de vapeur pour les deux seins et la personne en boit également un tout petit peu. Le latex, vous pouvez l'utiliser pour soigner le rhumatisme, c'est-à-dire, vous mettez sur les articulations qui sont en difficulté. Vous pouvez l'utiliser pour soigner les furoncles et les abcès. Et le flux également, vous pouvez piler et ajouter du beurre de karité pour soigner les dermatoses.
Maintenant, là où cette plante-ci est très dense, c'est là où on va en venir, c'est les vertus métaphysiques. Alors, je vais dire que c'est sur beaucoup de volets qu'on va détailler ici clairement. Alors, ici, il y a la protection, il y a l'antivol, il y a la prospérité, et puis il y a les problèmes de couple. Alors, on va commencer. Les recettes dans lesquelles vous pouvez retrouver la feuille de Calotropis à moment, il y a les recettes de protection. Il y en a qui vous disent de scarifier, c'est-à-dire de faire des scarifications avec une lampe autour de votre poignet comme ça, et de mettre la sève et que ça vous protège. Vous pouvez faire qu'un œuf dans une œuf feuille, ça dépend, c'est relatif, il y en a qui disent 16. Vous pouvez faire qu'un œuf dans des canaries avec 16 feuilles de la plante plus un œuf, simplement vous fermez et vous mangez l'œuf pour votre protection au début de l'année. Ça dure un an. Vous pouvez calciner 16 feuilles, ajouter du pilon de Guinée et en faire un savon. Et ça protège également contre les engouffrements. Vous pouvez faire directement des bains de la feuille triturée. Et ça guérit aussi la folie mystique qu'on envoie. Et ça permet également à une femme de se préparer à un accouchement pour éviter les complications d'accouchement. Si vous prenez la feuille d'amome et vous ajoutez les côtés de cheval, c'est-à-dire les fientes de cheval, et vous ajoutez de l'ail, vous séchez le tout, vous en faites un encens, ça permet de chasser les mauvais esprits. Maintenant, pour la prospérité, il y en a qui en font des talismans. Ils prennent la feuille d'amome, ils ajoutent des pièces rouges, ça va peut-être 25 francs, ça va être 10 francs, ça va être 5 francs. Et vous en faites un talisman. Ça attire la clientèle lorsque vous gardez sur vous, vous vous enterrez à la boutique. Alors, vous pouvez aussi enterrer le flux de l'arbre de Calotropis en faisant vos vœux. En enterrant, vous pouvez ajouter tout ce qui est sucrerie, bonbons, vous faites vos vœux. Vous buvez une boisson sucrée, vous crachez dessus, vous faites vos vœux de prospérité, de bien et tout ça. Maintenant, vous pouvez faire également un savon et pour que les gens tiennent les promesses envers vous avec 6 feuilles de Calotropis, 2 couleurs rouges, 7 couleurs de girofle, du pilou. Vous en faites un savon, les promesses vont se réaliser. Alors, au cas où il y a une maîtresse qui vous arrache votre mari, comment il faut le récupérer, vous cherchez les flux d'abord, les flux qui plus tard vont se casser, libérer des trucs un peu comme du coton. Vous prenez le flux encore bien vert, vous l'ouvrez un peu sur une partie, vous mettez de l'huile rouge et vous mettez le nom de votre mari et de la maîtresse. Ça, c'est secret de femme. Vous enterrez sur un tas d'ordures, il n'y a pas, les deux vont se séparer. Ça déclenche les divorces. Il faut prendre précaution, ne pas l'utiliser négativement. Merci bien. C'était Aristide Dalcono. J'ai fait la vidéo au nom du Centre de médecine naturelle, de biocosmétique, de coaching santé. Et nous donnons des formations en phytothérapie et dans beaucoup bien d'autres domaines. Merci bien. Bonjour, c'est le Calotropis Procera. Ce que vous appelez à moment. Je ne sais pas, il y a d'autres personnes qui l'appellent le printemps. C'est